Hello, on se retrouve donc aujourd'hui pour le Dogmas numéro 2. J'espère que ça vous emballe autant de me voir autant de fois dans ce mois de décembre. Donc là, on va se retrouver. Donc vous avez pu voir la balade qu'on a fait ce matin. Donc on s'est levé de bonne heure pour prendre les chiens, comme ça, ce qui me laissait le temps de profiter de faire en même temps ma déco de Noël et que je vous ai fait en accéléré juste avant. Et maintenant, je vais vous présenter le truc le plus important pour moi du 1er décembre, c'est l'ouverture de tous les calendriers de l'Avent. Sachant que cette année, j'en ai vraiment pas mal parce que jusque-là, j'en avais jamais eu autant. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai choisi au fur et à mesure. Donc le premier que je vais vous montrer et le premier que j'avais acheté de toute façon, c'est celui de chez Riga, donc que j'avais eu sur le stand de Animal Expo. Son prix était de 4 €, donc on l'a déjà testé l'année dernière, j'avais été satisfaite. Tout le petit bémol que j'avais eu, c'est le fait qu'ils n'avaient pas assez alterné entre les cases. Donc je sais pas si c'est une réédition, si c'est la même que l'année dernière, je me rappelle même plus du visuel exact, mais voilà comment il est cette année. Donc je vais, je sais pas si je vais ouvrir les cases au fur et à mesure, je pense que oui. Il n'y a pas de chien spécifique pour les calendriers, je pense pas. On verra en fonction des friandises, mais à l'intérieur vous êtes censé retrouver 6 variétés de friandises différentes, donc toutes à base de poulet ou de poisson. Donc on a des petites lamelles de poulet, des biscuits au calcium enrobés de poulet séché, des haltères au poulet, des friandises de sushi au poulet et poisson, des bâtonnets de poulet et des étoiles de poulet avec entre eux à peu près 80% et le plus bas il est à 46% de poulet pour la version biscuit. Et pour le poisson, on est à 57... Ouais, parce qu'en fait, c'est sushi, c'est poulet et poisson. Donc il y a 57% de poulet qui doit être au milieu et du poisson à 15% qui sont à l'extérieur. Donc voilà pour celui-ci. Donc ce que je vais faire pour pas vous ennuyer, je vais l'ouvrir tout au long des vlogmas, je vais l'ouvrir une fois par jour les calendriers. Mais pour pas que ça vous ennuie ou que des personnes quittent la vidéo avant, je ferai les ouvertures des calendriers à la fin de la journée à chaque fois. Comme ça, si vous voulez quitter la vidéo à ce moment-là, il n'y a pas de souci, ça ne vous intéresse pas. Mais comme ça, je vous montrerai ce qu'avant je filmais le midi, sur l'heure du midi et tout, mais là j'aurai pas le temps. Donc on les filmera le soir. Après mon boulot et je les leur donnerai au fur et à mesure. Donc là on a le 1, donc on va l'ouvrir tout de suite. On a le 1 qui est juste ici. Donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc cette année ça a été le choix de prendre 5 calendriers de l'Avent parce qu'on a 5 chiens au total. Donc c'était logique que chacun ait son calendrier de l'Avent. Donc dedans on a un petit halter comme ça. On va donner à Maury comme ça, elle va se mettre dans son coin. Hop, montre-toi. Hop, vas-y tiens. Tiens, il est coincé. Ah, attends, il est coincé dans l'emballage. Hop, tiens. Donc voilà pour le premier. Donc ils ont été très emballés par la composition. On connaît bien les friandises Riga, 4 €, franchement c'est hyper abordable. Normalement ils étaient trouvés en magasin, dans certains magasins les produits Riga sont revendus. Donc voilà, je pense que vous n'avez pas eu trop mal à voir, mais quand vous voulez sur Animal Expo, c'est limite le premier stand qu'il faut faire, même si je pense qu'ils ont eu plus de stock que l'année dernière, ils ne se sont pas fait avoir. Ensuite, le second qu'on va découvrir cette année, c'est celui de chez Action. Alors les prix, je ne me rappelle plus exactement, je crois qu'il devait être à 3 ou 4,99, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Il était un petit peu cher pour du Action, mais bon, ça allait. J'ai trouvé ce design-là qui est vachement sympa, j'ai beaucoup aimé. Il y avait un autre visuel, mais j'aimais pas, c'était avec des photos, alors que là, les petits dessins, j'aime beaucoup. En plus, on a une espèce de petit bulldog, on a du Spitz, du Corgi, on a du Beagle, du Chihuahua même là-haut. Juste ici, du carlin et du teckel. Par contre, ce qui est dommage, c'est que bah, voilà, les visuels qu'on a ne correspondent pas à des formes de portes. Les portes bah, sont alignées classiquement. Il n'y a pas l'air. Donc, chez Riga, vous aviez une porte plus grosse pour le 24. Là, le 24, la porte est de la même taille que d'habitude. Je sais pas si vous vous souvenez, les calendriers de l'Avent qu'on avait pris l'année dernière de chez Action, ça avait été une catastrophe, tout le monde avait été déçu. Vous savez, c'était les machins en peau de buffle recomposée, tout broyé, avec des colorants pas possibles. Donc les trois quarts des chiens n'aimaient pas ça. Lexi et Lady arrivaient à les manger malgré la dureté du truc. Mais Lexi, à chaque fois, faisait des petits morceaux et les recrachait partout sur le plaid, ce qui n'était pas terrible. Heureusement, cette année, ils ont revu leur composition bien autrement. Donc on a cette fois-ci tous ces petits produits-là qui sont à l'intérieur. Donc on a ça, donc c'est à base donc des petits morceaux de poisson. Qu'est-ce qu'on a? Des morceaux de poisson, des cubes de fromage avec de la viande, on ne sait pas quel genre de viande par contre, c'est assez caché. Les petits biscuits en forme d'os, farine de froment. Il y a encore de l'huile, graisse, sucre, c'est pas top top, mais bon, quand on est à 12% de protéines. Mais il est toujours mieux que l'année dernière, honnêtement, là c'est beaucoup plus abordable, ça reste une friandise exceptionnelle dans l'année. Mais l'autre c'était vraiment vraiment une catastrophe, là on remonte un peu le level. La suite c'était des petits morceaux de canard, donc à 85% de canard. Vous voyez, d'un jour à l'autre,
tout la 100% du truc n'est pas forcément mauvais. Hein. Il y a des morceaux de viande séchée qui sont très intéressants. Et le dernier, ce sont des petits cœurs à base de 62% de poulet. Et en fait, il n'y a que dans les biscuits en fait que la composition elle est ou la moins bien, où ils ont mis de la farine avec du sucre. Mais les autres, il n'y a pas ça. Par contre, dans les versions, ouais, parce qu'en fait, on va regarder la version poisson, ça fait un peu comme les sushis qui sont faits. Ils ont mis du colorant à l'intérieur parce que on voit qu'il y a de la couleur. Donc là, le numéro 1 qui est... c'est toujours le truc le plus marrant de réussir à retrouver le numéro. Sachant qu'il y a des cases qui n'ont pas de numéro. Oui, il y a une case qui n'a pas de numéro. Alors, on verra ça. Donc là, le 1, apparemment, il est là. Alors, heureusement, les 1, malgré que la forme ne correspond pas, les numéros tombent au bon endroit. Les ouvertures de porte, je sens que le calendrier ne va pas ressembler à grand-chose. On ne souffle pas correctement. Attends. Alors, donc, on a les fameux petits morceaux de poisson. Alors, par contre, l'avantage, vous voyez, dedans, j'en ai combien? 2, 4, 6, 8. Donc, vous voyez, maintenant, par exemple, dans ce petit-là, bah, je vais pouvoir en donner... Deux à chacun, parce que bah, y en a assez pour une petite famille nombreuse. Donc ça par contre c'est le petit truc que je peux noter qui est vraiment cool. Et donc la partie colorant, c'est la partie rouge qu'ils ont dû mettre un peu de colorant à l'intérieur. Le bordel tous les jours avec les distributions des bonbons. Attends, Kitty d'abord. Bon, vous excuserez, ce coup-ci il n'y aura pas de photo pour le blog, quoi que ce soit. Là on est à la tranquille. Je sais pas si vous avez vu là tout à l'heure la forme de la friandise qui est comme ceci. Donc ça c'est pas mal. Franchement là le point que je dis c'est que ils ont. Enfin, il y en a assez dans les petits paquets. Par contre, pour en réussir à en trouver, je vous dis que ça a été méga galère. Il y a que dans un seul action de tous les. J'en ai fait moins 5 ou 6 actions différents. J'en ai trouvé que dans un. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont pas vraiment géré le truc. Donc voilà pour le petit de chez Action que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite on a le Rocco. Ma copine Pauline m'a commandé, parce qu'elle a fait on a fait une petite commande groupée de Noël, parce que comme ça je payais pas les frais de pain, je m'embêtais pas à prendre plein de trucs. Donc c'est celui de Rocco, je l'ai déjà commandé les années précédentes. C'est de la viande séchée à l'intérieur, donc vous avez de l'os à mâcher à base de peau de bœuf. Alors ça on va faire attention au format que c'est, si jamais il est pas bon celui-là on le donnera pas, on le jettera. De la panse, de la peau de tête, du nerf de bœuf, de la viande séchée, du poumon et du foie. Donc voilà, c'est pas mal pour tous les chiens qui sont au bar, pour rester dans un truc un peu sympa. Donc c'est de la marque Rocco et c'est une spécialité donc de chez Zoo Plus qu'on voit ici. Il était à 8,90€ si je me trompe pas. Et celui-ci, je ne vais pas vous l'ouvrir. Si jamais vous voulez suivre, il y a des chances que sur le compte de Skoll en story, vous aurez les ouvertures. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, je mettrai le lien en barre d'infos pour vous abonner au compte de Skoll. Mais celui-ci, lui, est réservé pour rester vraiment dans son optique de barf et compagnie. Donc j'espère qu'il appréciera, sachant que nous, on l'a déjà testé il y a un moment. Si j'y pense, je mettrai le petit i ou le lien dans la barre d'infos. On avait déjà testé le Rocco. Je sais que la viande séchée, elles sont vachement sympas. Ils sont dans des sachets individuels parce qu'en plus, là, ça, j'ai encore un peu le nez bouché. Généralement, ça sent très fort et heureusement que c'est dans des paquets individuels parce que sinon, l'odeur dès que vous ouvrez les sachets, c'est juste atroce. Mais niveau santé pour votre chien, c'est vraiment le top. Donc, celui-là, pareil, je vous recommande à mort. Donc, celui-là sera pour celui de Skoll. Donc, je ne l'ouvre pas actuellement. Je ne fais pas la bêtise. Le quatrième que j'ai pu avoir, donc encore une fois, merci Pauline de m'avoir sacrifié, de me donner le tien. Parce que ma Pauline, elle a qu'un chien, donc elle s'est dit que c'était plus simple que moi j'en récupère un autre. Moi, j'ai récupéré un d'Action qu'elle n'a pas pu trouver, donc on a fait un petit troc. Enfin bref, donc elle a réussi à m'avoir celui de chez Maxizo, donc de la marque Première, parce que je voulais pareil absolument le tester. Quitte à avoir plusieurs calendriers de l'avant, autant en avoir plusieurs différents à vous montrer et moi à découvrir. Donc celui-là, je le connais absolument pas, je l'ai jamais fait. Le design est très sobre, très sympa, j'aime vraiment beaucoup. Pareil, rupture de stock à gogo chez Maxizo. J'ai réussi à retrouver du multifit il y a pas longtemps et l'autre, je sais plus si c'en était un noir et rouge, mais je me rappelle plus du tout de la marque. Ça pop là tout de suite sur les messages Insta. Et donc voilà, je voulais le découvrir, mais il était en rupture de stock. Heureusement que Pauline en avait pris un au moment où elle en a vu. Donc merci de t'être sacrifié pour me le donner. Celui-là il était à, qui me rappellera le prix en commentaire, mais je m'en rappelle plus, je crois qu'on devait être à près de 8€ aussi. Ça devait être quelque chose comme ça, 6 ou 7,99 je dirais, je suis plus sûre, franchement j'ai depuis le temps, je m'en rappelle plus. Donc on va ouvrir le numéro 1, donc oui non, je vous ai pas montré à la base ce qui est censé y avoir à l'intérieur, donc la composition a l'air plutôt sympa de ce qui est à l'intérieur. Pareil dans l'optique du barf, du séché, du naturel, tout n'est pas parfait, hein, mais on est vraiment dans cette optique là qui est vachement sympa. Donc dedans on a des meat drops de poulet, donc à 86% de poulet, des aiguillettes de poulet à 89,5% de poulet. Après à chaque fois c'est de l'amidon de maïs qui reconstitue un petit peu la chose, mais il y a vraiment genre 3 ingrédients dedans quoi. Ensuite on a les blancs de poulet à la banane, donc 45% de poulet et 44,5% de banane et de la protéine de soja. On a les meat drops à l'agneau, donc 74,5% d'agneau et un peu de farine de blé. Ensuite on a les bâtonnets poulet sésame avec 62,5% de poulet et 20% de riz, farine de blé, sésame à 2%. Et ensuite on a les mini sandwichs poulet poisson, un peu comme les sushis, sauf que ça n'a pas les mêmes formes, ils appellent ça vraiment sandwich, je vous en ai déjà présenté plusieurs fois, les filous et compagnie. Et on a 49,5% de poulet poisson blanc à
30% farine de blé et protéines de soja. Voilà pour le la base. Et je crois que c'est le plus lourd, il est vachement lourd, il fait 300 grammes. Je crois que les autres, ils montent pas autant et il a l'air vraiment cali-cali. Donc je vais voir ce que ça donne. Donc la première case qui est toute là-haut. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, ça a l'air de bloquer derrière. Hop. Donc là, on se retrouve donc... Hop, on va le poser. Avec drops à l'agneau. Donc on voit la couleur qui est plus foncée. Donc là, il n'y en a pas assez pour tous les doudous, mais je pense qu'avec les deux ronds, vu la taille qu'ils font, je vais pouvoir le couper en plusieurs. Donc toujours attention parce qu'il y a ça qui permet de faire d'absorber l'humidité pour pas que ça moisisse dans les sachets. Faites attention que votre chien ne le mange pas, c'est très dangereux. Donc voilà, on a les petits drops qui font cette taille-là, qui sont quand même à de bonnes tailles. On peut les casser assez facilement. Donc c'est pas du viande séchée, il y a un petit peu de reconstitution à l'intérieur. Oh, ça sent pas mauvais. Doucement, Lexi. Bah oui, tu t'étoufferais en plus avec ces trucs-là, toi. Tiens, ma kiki. Non, ça kiki. Donc c'est validé, mais ça m'étonne pas, hein. De toute façon, il y en a même certains, ils prennent même pas le temps de savoir le goût. Et le dernier que j'ai pris, le plus cher de la série, il m'a coûté donc 10 ou 11 euros, je me rappelle plus. Donc pareil, j'ai sur Animal Expo, mais on le retrouve dans plein d'animaux différentes. Donc c'est celui de chez Lily's Kitchen, celui-ci est moins dans le naturel, dans le sens où c'est pas de la viande séchée, mais du biscuit. Donc voilà, c'est le petit incontournable qui coûte un peu cher, mais que j'aime beaucoup. En plus le design, c'est vraiment celui de tous ceux que j'ai que je préfère. Donc derrière on a les trois friandises qui se présentent ici. Ouais, par contre le côté rébarbatif c'est qu'on n'a pas grand choix à l'intérieur. Mais on retrouve les Rise and Shine, donc c'est spécial pour le poil et la peau si je ne me trompe pas. Les friandises d'entraînement qui sont toutes petites et les biscuits pour s'endormir. Donc là en plus que l'avantage c'est que vous avez un doute sur les friandises, ceux qui sont en dessin, les dessins sont à la taille de la friandise que vous allez retrouver à l'intérieur. Au niveau des compositions, bah là en fait c'est en anglais parce que c'est une marque anglaise, donc d'ailleurs c'est pour ça aussi que j'apprécie cette marque et que j'aime les soutenir parce qu'ils ont tous les trucs éthiques en bas, donc ils ont le award de l'entreprise éthique, ils ont fabriqué en Angleterre, l'ensemble est recyclable. Et ils ont je sais plus ce qu'ils avaient autre chose. Et voilà le concept autour, moi j'aime beaucoup. Mais bon voilà, ça va être un truc, si vous n'êtes pas fan de tout ce qui est format biscuit, prenez pas ça parce que forcément il y a beaucoup plus de composition à l'intérieur. Donc entre il va y avoir de la farine, il va y avoir plein de choses dans ce style là, vous savez comment est foutu un biscuit. Donc voilà, ça reste de bonnes choses, mais si vous n'êtes pas dans l'optique de donner des biscuits mais plus de la viande, c'est pas quelque chose qui vous est destiné. Donc par contre, j'ai même pas pensé enlever le plastique. J'ai pas trop regardé si les autres on peut les fixer en hauteur. Normalement, ils ont tous leurs petits trous pour les fixer au mur. Non, le Rocco n'a pas de trou pour fixer au mur. Le Action non plus. Et le Riga, oui, le Riga, on peut l'accrocher au mur si on le souhaite. Là avec, dans l'autre sens, si vous souhaitez, là avec les Kitchen aussi, vous avez ce qu'il faut. Moi honnêtement, ils vont sortir de la pièce parce que j'ai pas d'endroit en hauteur spécifique pour les mettre et je vais pas me retrouver qu'un matin je me lève et qu'il y ait les deux filles ou Amory qui ont... Amory, pousse-toi. Qui m'ont défoncé tous les calendriers de l'avant et que ça fichu en l'air tout le mois de profiter des friandises, quoi. On va prendre de risques, je les range tous les jours et j'irai les rechercher dans mon placard à chaque fois. Hop, on sent bien que c'est en carton recyclé, il n'y a pas de problème, on sent vraiment le carton organique et compagnie. Donc la numéro 1, on est sur du... D'ailleurs en magasin, je sais pas s'il est plus cher. Ah oui, en fait après, ce qui est marrant, c'est que vous aviez ça, je l'avais oublié. Vous avez le petit plastique ici en croix et en fait vous l'éclatez. Comme ça, ça reste hermétique. Dedans apparemment, il y en a plusieurs. Ah, on n'arrive pas à l'ouvrir, malgré la... Hop. Il y a trop de biscuits dedans. Franchement, quand on voit le prix des friandises, le calendrier, c'est vraiment pas de l'arnaque. Hein. Parce que, comme là même d'ailleurs, à part le Riga où il y avait une friandise, mais c'était quand même assez grosse, donc c'est normal. Non, je sais que dans d'autres cases, il y en aura plus. Par exemple, là, vous voyez, ils ne se sont pas contentés de mettre un biscuit, vous en avez trois à l'intérieur. Ouais, tiens. Donc voilà pour la présentation des calendriers spécial chien. Donc les 5 marques qu'on a pu avoir, j'en ai trouvé d'autres sur internet mais certains ne me plaisaient pas. D'autres en fait on voit bien que c'est le même genre de choses qu'il y a à l'intérieur, c'est juste que le packaging change mais c'est exactement la même chose. Donc j'ai pas voulu en tester de plus que ça, certains sont vraiment très très chers en plus. Et donc voilà pour la partie chien, mais bien entendu moi aussi je vais avoir mon propre calendrier de l'avant cette année qui m'a foutu d'ailleurs en méga stress. Parce que je l'avais mis de côté depuis un moment. Et je vous expliquais après lequel que c'est. Ceux qui ont suivi le savent, lequel est-ce que j'ai pris. Et en fait, il y avait une promo. Enfin, il était pas celui de cette année parce qu'il ne me plaisait pas. J'ai pris la version de l'année dernière. Donc comme je pensais qu'ils leur faisaient. Enfin, ils revendaient que leurs anciens stocks.
Et je voulais le prendre sur Amazon et c'était la marque officielle qui le revendait. Mais le truc, plus j'attendais, plus ça repoussait. Je risquais de l'avoir que mi-décembre. Donc je me suis dit, il faut que je me dépêche de commander pour espérer que la date la plus tôt qu'il m'annonce sera celle à laquelle j'ai reçu. Ce qui a été le cas. Mais le suivi était catastrophique. Je savais toujours pas quand est-ce que ça partait des États-Unis. C'est resté bloqué pendant 3 plombes à l'aéroport jusqu'au dernier moment. J'ai eu peur que ça arrive pas. Mais c'est arrivé et finalement, bah, un jour près, je l'avais en Amazon Prime. 10€ moins cher et le lendemain. J'avais les nerfs. Donc je l'ai payé un peu trop cher pour ce que c'est. Et donc moi cette année je me suis pris le calendrier des Funko, donc porte-clés Harry Potter, mais j'ai pris la collection de 2018 parce que celle de 2019 ne me plaisait absolument pas. Et donc voilà, pour ceux qui suivent ma thématique Harry Potter et compagnie, je trouvais ça logique de le prendre celui-ci. Donc on va le découvrir. Pareil, dommage que j'ai pas de surface pour le poser, j'aurais une commode, ça aurait été trop cool. Hop, donc on enlève ça. Après donc on se retrouve avec le calendrier dans lequel hop vous avez vous avez le plateau qui se pose où vous pouvez poser vos personnages quand vous les recevez. Et vous avez un espèce de mini décor. Sauf que bah moi je pourrais pas le mettre là parce que j'ai aucune surface pour le poser du tout. Donc ce que je fais, bah, c'est pareil, je vais ranger avec celui des chiens. Et puis chaque jour je vais ouvrir et je les mettrai en fond de déco sur mes petites étagères. Donc aujourd'hui on va ouvrir le numéro 1. Par contre les cases, il n'y a pas à chercher parce que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et après hop, ça suit à la suite. Donc je sais à peu près les personnages qu'il y a dedans, par contre dans quel ordre je n'en ai aucune idée. Le classique, le premier on commence avec, donc je l'ai payé pour vous dire 59€ je crois, au lieu de, j'aurais pu l'avoir pour 49€ le prix qui est vendu classique. Sachant que c'est les pop quand vous les commandez, faites attention à l'intérieur, c'est pas le format pop standard. C'est pas la grosse pop qui est à l'intérieur. Mais on a la toute mini pop en taille porte-clés, ce qui m'arrange fortement parce que je voulais en faire la collection des Harry Potter, mais j'ai pas la place pour en mettre des gros dans des étagères. J'ai clairement pas la place, donc ça c'est bien bien pratique de l'avoir comme ça. Donc le petit format, mais quand on calcule en fait, bon, pas quand on le paye au prix fort comme j'ai eu l'erreur, enfin la malchance de le payer, la pop elle vous revient à genre 2€ et quelques, sachant qu'une pop porte-clés vaut en moyenne 5€ je crois, donc vous faites vraiment une économie là-dessus. Donc voilà, en tout cas les détails sont vachement sympas. On voit bien la cicatrice, les yeux, ouais, enfin les yeux sont tout brillants et tout, c'est juste que, je sais pas si vous allez voir, il a les mains un peu bleues, on dirait qu'il a des mains de zombies qui ont pourri. Parce que voilà, le petit Harry, le petit classique, et en fait voilà, dans cette collection là, vous les avez en personnage classique, en tenue, donc là on voit avec sa tenue de sorcier, avec son écharpe de Gryffondor, mais d'ailleurs, je fais gaffe qu'il y en ait certains qui pensent pas que c'est les frères Weasley qui me les mangent. Mais dans la nouvelle version 2019, ça me plaisait pas parce qu'ils étaient en spéciale collection de la tenue de bal, donc de la dernière année où ils participent au bal avec les différentes autres écoles de sorciers qu'il y a dans le monde. Et moi, j'aimais pas parce que voilà, ça faisait trop spécifique avec leur tenue de bal pour toute l'année. Je trouve que ça faisait bizarre en déco. Et en plus, il y avait certains personnages qui sont plus que secondaires, troisième, donc on voit presque pas dans le film, qu'ils avaient mis dedans. Donc je me suis dit, bon, laisse tomber. Donc aujourd'hui, on se retrouve en tout cas avec Harry. Donc voilà pour le Dogmas d'aujourd'hui qui sera bien assez. C'est long comme ça, surtout avec la partie unboxing, mais ça je m'y attendais, c'est pour ça que j'ai pas voulu, j'ai filmé la décoration du sapin en accéléré afin de réduire au maximum le temps, mais attendez-vous de toute façon tous les jours à des vidéos entre 30 et 40 minutes en fonction. Okay, j'espère aussi que mon petit effort vestimentaire vous aura plu en spécial Noël, et avec la déco et tout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et donc je vous dis à demain pour le prochain Dogmas. J'en profite par rapport au vlog où je n'ai pas ce réflexe là, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, voilà, n'hésitez pas à tout ça, et à regarder une petite pub sur YouTube de temps en temps, il y en a aussi, et c'est bien sympathique. Donc voilà, je vous dis à demain pour le prochain Dogmas. Bisous.